Bonsoir, bonsoir, coucou, j'espère que vous allez bien, coucou Sensu, et coucou mon chéri, and thank you for that, you shouldn't have done that, thank you, you're the best. Okay, so I'm gonna try this, so let's just swap musics, voilà, on va mettre ça là comme ça, on va couper ça, hop. Cool, du coup je vous retrouve pour jouer un nouveau jeu ce soir, mais d'abord je vais vite fait faire mon petit truc. Deux secondes, hein, j'arrive. Regarde ça, si on fait ça, si on fait ça. Yes, ça marche! Thank you so much. You're the best. Coucou Charlotte! Alors, du coup, je peux faire ça. On va juste. Voilà. Voir ce que ça donne. C'est mieux, c'est déjà bien, mais je pense qu'il nous faut encore plus d'amour, plus de love. On va faire ça. Je suis désolée, je suis obligée de tester ces trucs-là en live en fait, parce que sinon le bot il est offline quand je stream pas, donc c'est chiant. C'est chiant, vous m'entendez? Du coup, j'ai pas de problème du micro. Ah bon, bah merde, du coup, attendez, faut que j'en enlève. Hop, j'en enlève. C'est pour du love, que du love. Voilà. Maintenant, tous ceux qui sont pas sub peuvent du coup utiliser cette commande pour envoyer du love à tout le monde. Voilà, c'était ça le but en fait. Comme ça, même toi, Charlotte, tu peux envoyer du love si tu veux. Alors, du coup, voilà. Très bien. Du coup, on joue. Un nouveau jeu qui s'appelle Valheim. Voilà, donc c'est un jeu, d'après ce que j'ai compris, de survie, mais qui se passe au temps des Vikings. Donc d'après ce que j'ai compris, en fait, on crée un personnage et ensuite on peut jouer soit sur notre propre serveur en local, soit sur un serveur avec d'autres gens, en sachant que le maximum de gens avec qui on peut jouer, c'est 10 par serveur, et d'après les retours que j'ai eus, vu que c'est un jeu qui est en early access, à 6 gens, ça commence à laguer. Donc du coup, j'ai papoté avec Ikari, et elle aimerait bien faire son propre serveur, donc elle va bosser là-dessus ce soir, et si elle y arrive pendant que nous on joue, et ben on la rejoindra. Sinon, on va jouer un peu en solo pour découvrir le jeu ensemble, du coup, jeu que j'ai mis en français, vous me direz au niveau du son, tout ça, comment ça se passe. Si le son du jeu et tout ça va par rapport à ma voix, je me rends pas trop compte. Du coup, voilà, nous allons faire un nouveau personnage. Et c'est vrai que par contre, ça lague un peu, hein. Je dois avouer que c'est compliqué. Mais bon, on va voir. Ok. Tu tournes toi pour voir. Ok, il y a un minimum de personnalisation très très basique. Ah mais ça c'est bien ça. Alors il n'y en a pas juste une. Je
genre ça c'était bien, mais si elle avait la tresse sur le côté, bon c'est pas grave. Vous savez quoi, on va faire ça. Ça c'est très bien, pas de barbe, on est bien. Couleur des cheveux. On voit pas trop la différence. Hein. Ok, vas-y, on part là-dessus. Clarté. Ah, I see. Bon, très bien. Rousse comme ça, c'est bien, parfait. Hop. Entrez un nom. À quoi ? Terminé. La qualité est trop pourrie. Il faut juste que je... Il faut juste que je règle un petit peu les paramètres, je pense. Mon dieu, c'est quoi ce truc ? Ah bah, tout est en... high. On va juste mettre niveau des détails en... en plus. C'est très pixelisé, hein, dis donc. Mais bon, c'est pas très grave. On va dire que ça va le faire. Allez, on se lance, on va voir. Ah. Entrer un nouveau monde. Je vais l'appeler comme ça pour l'instant. Donc ça, je pense que c'est en fait pour démarrer notre propre partie en local. Et il y a des serveurs ici. Voilà. Donc, on pourra les rejoindre. On verra quand Ikari, elle fait son serveur. Du coup, nous, on va commencer. Là-dessus. Qu'on reste en local. Son du jeu, ça va pour l'instant ou pas ? Ok, cool, parfait. Bon alors, du coup, je vous rappelle juste que c'est un jeu qui est en early access, donc je pense qu'il va y avoir 2-3 trucs pas tip-top, mais bon, on va voir comment ça se joue. Après, ce que j'ai compris, il y a beaucoup de farming et beaucoup de crafting, donc si vous me connaissez, vous savez que moi, c'est tout ce dont j'ai besoin dans un jeu. Alors, il y a bien longtemps, Odin, le père de toutes choses, réunit les mondes. Il abattit ses ennemis et les jeta dans le 10e monde et divisa les branches qui le rattachaient à l'arbre-monde. Il laissa dériver ce monde d'exil sans attache. Pendant des siècles, ce monde plongea dans un sommeil agité, mais il ne mourut pas. Les ères glaciaires passèrent, des royaumes s'élevèrent et s'écroulèrent et échappèrent au regard des dieux. Quand Odin apprit que ses ennemis recouvraient leurs forces, il se tourna vers Midgard et envoya ses Valkyries sillonner les champs de bataille à la recherche des guerriers les plus valeureux. Une fois morts dans leur monde, ils renaîtraient à Valheim. Dis donc. C'est bien, en ce moment, on fait dans le thème mythologie nordique, mythologie grecque, tout ça, c'est bien. On reste dans le... entre Assassin's Creed Valhalla, Phoenix Rising, tout ça. Vous me dites hein, si ça lag de votre côté aussi. Bah oui, c'est un bon thème, tout à fait. Si vous voyez des pertes de FPS et tout, vous me dites, hein, parce que j'ai tout mis au max, là, du coup. Ah, mais attendez, mais c'est moi qui dirige. Ah, mais c'est moi qui dirige, putain. Ah non, c'est pas moi, moi je peux juste voir, ok. Ah ok, vous êtes humide. Tac. Ok. Bienvenue dans le 10e monde, guerrier, je suis Hugin. On m'a envoyé ici pour vous guider lors de vos voyages. Les méganites qui vous entourent sont les pierres sacrificielles. Elles représentent les déchus que vous devez tuer afin d'accéder au Valhalla. Ok. Et... ah. Cette pierre est un Vexvisir. Ces pierres magiques ont été éparpillées dans le monde par Odin pour servir de repère et mener aux terres rituelles du déchu. Si on l'examine avec intention, celle-ci dévoilera un lieu d'invocation d'Ektir, votre première proie. C'est une bête redoutable, alors préparez-vous en conséquence avant d'essayer de le vaincre. Ok, bon bah super. Si ça va impec alors. Tac. Donc là je suis humide. Putain c'est... eh, c'est les mêmes contrôles que Rust. C'est parfait.
c'est qui me parle? Ah mais c'est lui encore. Inventaire, ceci est l'écran d'inventaire et de création. Les nouvelles recettes seront déverrouillées une fois que vous aurez tous les ingrédients nécessaires pour les fabriquer. Essayez de fabriquer un club en bois ou une hache en bois et en pierre. Astuce, le silex se trouve près de l'eau. Oui, oui c'est vrai qu'effectivement il fait pas très beau. Ok. Putain les gars, c'est les mêmes touches que Rust. C'est trop bien. Tron. Effectivement, on voit que je suis humide. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah merde, non, non, bah non. Non, bah non, mais équipe. Ok. Dac. Là, je ne peux rien faire. Ok, ok. Compétence améliorée, courir. Oh, mais trop bien. Ah. Je viens de voir un sanglier, on va éviter. Et on peut pas ramasser du bois ou comment ça se passe? Ah! Je crois que ça marche pas très bien par contre. Ah ça, ça marche par contre. Yes! Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, on a trouvé deux bois, bah dis donc. Tiens, tiens. Ok, pour crafter un bâton, il me faut 6 bois. Ok. Coucou, Virox, comment tu vas? Hop. Attends, sauter. Esquiver. Bloquer. Ok, coup de pied. Tac. Tu vois? Oh! Bon, ça prend un peu plus de d'énergie, mais... Déjà, je suis plus trempée, c'est déjà pas mal. Cool, nouvelle recette. Alors, bâton, on peut créer, et torche. Une arme grossière mais utile. Oh merde! Nouvel objet, bâton. Oula! Ok. Dis donc. L'autre, il vient m'attaquer comme ça, là. Bon, on va prendre plein de bois, du coup. Et des silex, on a dit que... Oh, du pissenlit. Oh là là, mais ce jeu, mais ça va être... Je vais plus en pouvoir, je vous préviens. C'est que du craft et du farming. Chou. Nouveau matériau, silex. Parfait. Ok. On va en prendre un peu, hein. Alors des fois ça marche pas, mais des fois ça marche. Alors on peut nager. Alors. Du coup, maintenant que j'ai des silex. Et comment on fait pour faire une hache? Il n'a pas dit des silex et du... Ouh, pierre. Ah mais très bien ça. Ok, des fois ça marche pas très bien, mais c'est pas grave. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Des framboises. Trop cool. Qui me parle? Ah c'est l'autre encore.
Il est où? Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Manger de la nourriture augmente votre total de santé. En mangeant différents types de nourriture, vous pouvez l'augmenter encore plus. Ah oui, j'avais entendu ça, que les gens, ils disaient qu'il fallait manger de la viande, des légumes et des fruits pour avoir... pour être au max de la santé. Tac. Ah si, ah si, ok. Ah, champière. Parfait. Par contre, on n'a pas de bois, donc en fait... Alors attends, comment on fait... Ouh ! Ah oui, ok, d'accord. Très bien. J'ai pas trop compris. Ah mais si, en fait, c'est ça. Ok. On m'attaque. Est-ce que l'iPhone C, c'était le IC? C'est vrai que je le dis souvent, IC, IC. Bah c'est bien, au moins là, ça prend plus de trucs, hein. Une souche. Ouh, dis donc. Un tronc. Vous entendez pas trop là les clics de ma souris? Normalement avec ce micro ça devrait aller mieux. Mais attends, mais comment on fait pour me défoncer le tronc? Ah, c'est bon. Un peu, mais ça va, ok. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pas grand-chose, hein. Un marteau pour créer. Je pense que c'est avec ça qu'on va se faire... Ouh là, dis donc, mais il y a plein de trucs qui sont sortis. Et ça, en fait, c'est que les trucs que je peux faire là maintenant tout de suite, du coup. J'ai l'impression... Je comprends pas tout, mais... Okay. Compétences. Aucun trophée pour l'instant. Ah non, non, non. On fait pas de PVP. Bah oui, t'as eu une grosse journée quand même, Chacha, dis donc. On peut pas les ramasser là, mes pissenlits. Et du coup... Ah bon, ça marche pas, ok. Personne ne sait de quoi tu veux parler, voyons. Il y a un côté très thérapeutique à ce... Ah oui, effectivement, c'est pas forcément une conversation qui pose le cerveau, ça. Ah, il y a mon pote, le... On va prendre plein de boîtes, de toute façon, il nous en faut. On se refera une hache, au plus.
Par contre, putain, pardon, purée, ça prend beaucoup d'énergie de faire tout ça. Et je trouve que ça donne quand même pas beaucoup de bois. Hein. Enfin, un peu, quand même. Et le facochère, on peut se le faire ou pas? Ok. Bout de cuir, trophée de sanglier. Et ça donne pas de viande? C'est quoi ça? On sait pas trop. Hein. Graine d'être. Oh, ok, plantez là pour pouvoir pousser un être. Ok, ok. Un être. Coucou Kazuzu, comment tu vas? Ça marche. Bah écoute, viens, c'est gentil de venir faire un petit coucou. Je suis trop contente, Charlotte. Je suis tellement trop contente. Alors, marteau, vous élèverez d'immenses salles et d'imposantes fortifications grâce à cet outil. Commencez par bâtir une table de fabrication qui vous permettra ensuite de construire d'autres choses. Ok. Ah, champi. Mais comment je fais, moi, pour fabriquer une table de fabrication? Il me manque des trucs. Je comprends pas. Parce que le marteau, ça quoi? Ça me permet de... Elle a pas compris. Elle a pas tout compris, mais c'est pas grave, on va... Compétence courir 3. Mais qu'est-ce qui me manque pour pouvoir apprendre... Tiens, on peut pas les prendre là? Ok. On va prendre plus de bois et on verra. Eh, dis donc, mais tous les deux en même temps? You did at the same time? Merde, 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 merde. Ils sont fous, ouais. Oh no, Sage. It's not a lot of points. Just wanted to... Ok. Voilà, c'est ça, chat, que je te disais. Non, du coup, Virox, je peux pas le faire demain. Je peux pas le faire demain, j'ai trop de trucs à faire, ça va être compliqué et j'aimerais bien... Et j'ai... Ouais, il faut... Enfin, ça va être compliqué. 14h pour moi, c'est vraiment chaud. Qu'est-ce que je... Comment je fais pour réparer mon... On se refait une hache ? Compris les gars. Donc ouais, ça va être compliqué le tournoi demain, peut-être dimanche prochain, mais en fait c'est juste que 14h ça m'arrange pas du tout. Et puis oui, du coup ce qu'on fera, c'est que c'est pour s'entraîner, c'est le vendredi soir, donc on continuera à faire ça, chat. Ouais, voilà. Et puis un jour, on fera le tournoi de ponce le dimanche après, mais on n'est pas obligé de commencer par ça de toute façon. Bon, alors moi, j'ai pas tout compris comment il fallait que je me fasse une table de fabrication en attendant. Mais tu m'emmerdes, toi. Un jour. Ouais. Ah, oh, il y a un cerf. Il y a une biche, il y a une biche.
Faut peut-être 100 bois, peut-être. Peut-être. Comment ça? On va continuer à ramasser du bois. Donc voilà, donc du coup, ça, je t'ai mis les trucs du tirage au sort. C'est ce que Virox et mon chéri viennent de faire. Donc c'est 12 000 points. Voilà, et si tu veux voir comment gagner des points de chaîne, il faut que tu tapes point d'exclamation, point. Et il y aura le lien vers l'explication. Du coup, sur comment... Pourquoi ? Il roule. Voilà. Du coup, ça t'explique. C'est quoi, Nec ? Ok, elle a rien compris, mais... Un espèce de rond magique, c'est-à-dire où ça? Qu'est-ce que t'appelles par rond magique? Ah, je crois que c'est quand mes compétences elles montent d'un niveau. Donc là par exemple je coupe du bois. Je crois que c'est ça. J'ai pas... Je comprends pas tout en vrai. Hein. On va voir... Ah oui, et l'avantage... Ouais, regarde, tu vois, c'est ma compétence améliorée, parce que là, j'ai couru. C'est pour ça, en fait. Et compétence améliorée du coupage de bois. Je suis à 13. Mais le truc trop bien, c'est que si on va jouer avec Ikari... Mais arrête de me tuer, toi. Si on va jouer avec Ikari, je peux prendre tous... Je peux prendre mon personnage ainsi que son inventaire sur un autre serveur. Donc ça, c'est génial. Du coup... Parce que ça veut dire que je suis pas obligée... En fait, c'est mon perso que je garde et que je fais aller ailleurs, quoi. Donc ça, c'est trop bien, parce que du coup, ça veut dire qu'on peut avoir deux aventures en même temps. On peut le faire en solo et avec Ikari sur un autre serveur, en fait. Je suis assez fan du fait que sur certaines ressources, quand tu passes dessus, tu peux les ramasser. Un peu moins sur le fait que des fois, il faille appuyer sur E deux fois. Bon, on est à plus de 100 de bois là et je peux toujours rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit quoi l'autre? Commencez par bâtir une table de fabrication qui vous permettra ensuite de construire d'autres choses. Mais j'ai toujours pas compris. Ah, attends. Ah, mais c'est ça. Putain. Ah, ok, d'accord. Il fait froid. Oui, ben, je suis désolée... Ok, je viens de trouver un truc. Ok. Il y avait des instructions à lire. Vous avez froid. Quand la température baisse pendant la nuit, ou si vous êtes humide, vous aurez froid. Cet état réduit la régénération de votre endurance. Si cela arrive, la meilleure solution est de vous rapprocher d'un feu. Oui, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant j'ai compris. Ah. Voilà, déjà ça c'est pas mal. Ensuite... Attends. What? Ah, table de fabrication, cuisine, construction, meuble, meuble, pardon. Un meuble. Tas de bois, tas de pierre. Ah oui, c'est 50 pierres en fait. Ok, d'accord. Ah, mais c'est pour faire cuire des trucs. D'accord, elle a compris.
Très bien. On va se mettre où? On va pas se mettre par là, si. On est vraiment proche du truc, là. On a une map ou pas? Alors, oui. Ah oui. C'est un peu flou. Comme map. Mais sinon, on peut se faire une maison. On peut se faire une maison par là, en vrai. On n'est pas très obligé de s'éloigner beaucoup, hein. On va faire ça, on est proche du feu de toute façon. Plus ou moins. Ah merde, j'ai encore cassé mon truc. Du coup, c'est chiant. C'est quoi? Ah, on va m'attaquer là? Ils sont où? Viens là. Viens là. Il y avait du bois. Il est où mon feu? Là. Ok. D'accord. C'est immense, oui, c'est ça. C'est très très grand. Ce qu'il faudrait, c'est que je comprenne comment réparer des trucs, ça serait bien. Mais je pense qu'il me faut une table de fabrication, mais j'ai pas trop envie de faire ma maison là, en fait. Est-ce que si je fais... Ah bah cool. Ok, j'ai retiré le truc. Bon bah vas-y, on construit une maison alors. Et si on se mettait... Ah mais il y en a déjà une là. Mais du coup j'ai un peu envie de faire ma propre maison aussi. Ah merde, qu'est-ce qui se passe ici? Ah j'ai été empoisonnée. Super. On va peut-être pas se mettre vers les trucs empoisonnés. On peut pas trouver une petite clairière Ah mais là aussi il y a des trucs. Je récupère juste les framboises histoire d'avoir de la bouffe quand même. Ça marche, à tout à l'heure Virox. Ah ouais, mais il y a déjà des trucs là où il y a des coins intéressants. C'est un peu de la merde. Ok, ben là c'était pas mal, moi j'aimais bien par ici. Ouais, y a quoi là? Ok. Ah, j'ai compris, le premier ça la déterre et le deuxième tu prends en fait. Bon bah là c'est bien non? Ah non mais il y a un peu des mar... Ah il y a des trucs dégueulasses. On va se poser hein. Je suis pas pressée. Je sais pas trop à quoi ça sert les pissenlits mais... On les prend. Ok, ici ça me paraît bien. Donc, nous allons. Il y a un ours, je crois que j'ai vu là-bas. C'est pas très grave. Ah merde, qu'est-ce qui nous manque pour faire un feu? Il nous manque des pierres. C'est pas grave. On va faire. Merde. Pivoter. On fera les murs après. Hein.
Oui, tu sais, moi, les trucs dégueulasses, c'est pas trop mon truc, hein. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'on a fait là? On a tout. On a débloqué grave plein de trucs. Regardez, on peut faire des murs et tout. Oh là là, trop bien. Un coffre. Un... C'est quoi ça? Ah mon Dieu, mais c'est horrible, c'est pour couper des têtes? Alors, qu'est-ce qu'il veut? Vous avez construit une table de fabrication. La table de fabrication vous permet de fabriquer des objets complexes et vous donne accès à bien plus d'éléments de construction à bâtir avec le marteau. Cool! Et comment je fais pour... Ah, ici, le feu de camp, c'est bon, je peux le faire là. Au moins comme ça. Ah bah là c'est comme dans Rust, ok. Je peux brûler. Tac. En fait... Ok. Je peux pas arrêter de lui parler donc... Tant pis. Du coup... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour le bois, pour couper le bois, pas pour couper des têtes. Oh bah, tant mieux. Ah, je peux faire un radeau. Il manque des bouts de cuir. Bon, vas-y, peut-être qu'on peut faire un plancher aussi. Genre. Ah, mais c'est bien, on peut mettre le plancher dessous. Ah, c'est bien ça. Ah merde. Ah zut. Oui, bah je sais qu'il fait froid. C'est normal. Pourquoi ça veut pas? Elle comprend pas tout, hein. C'est difficile là. Hein. Oui, ben bah, oui, je... Non, regarde, il fait jour, ça y est. Ça y est, ça y est. Alors, attendez 2 secondes. Je vais juste bouger un peu mes écouteurs parce que j'ai le fil qui passe devant la souris, c'est hyper chiant en fait. Ok, alors du coup... C'est vrai que ça manque un peu de luminosité, hein, je trouve. Et genre, on peut pas faire un truc qui s'emboîte. Ah ouais, genre ça, là. C'est bon. Faudrait que ça soit droit, quoi, au moins un petit peu. Je vois les fa cochères là-bas. Non mais après on n'est pas obligé de faire une grande maison au début, hein. On peut faire un petit truc mais... Ah pourquoi c'est pas aligné? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ok, pas de problème. Je pense que déjà de base en fait je me suis mise sur une montée et du coup c'est compliqué. Mais c'est pas grave. Ah. Casse-toi, toi. Et l'autre. Ok. Alors. Clairement, là, on a... C'est pas très très pratique. Donc, disons que... J'aurais préféré que ce soit un tout petit peu plus intuitif.
Bon, après, j'ai démarré la maison. Là, clairement, ça va être compliqué de mettre un sol, je pense. Ici, puisque j'ai l'impression qu'on passe... J'ai l'impression qu'on passe sous terre. Tant pis, on va faire ça. Et ensuite... Portail. Une porte. On peut pas trop faire de fenêtre, j'ai l'impression. Ah ouais, mais attends, tu peux faire des trucs de ouf. Ah, ma vie. Oui, tu as raison, tout à fait. Ah, je peux pas manger plus de framboises, d'accord. Et ok. D'accord. Ok, alors du coup on va faire ça. Non mais en même temps la table de fabrication elle nous saoule un peu là, non? On peut la mettre ailleurs? Au pire. Ah oui, du coup j'ai plus de table de fabrication. Hop. On la met comme ça. Attends, mais du coup... C'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Merde. On met une porte là. C'est pas hyper simple, hein, je vous le cache pas. Mais... Non mais oh. La musique en tout cas est très reposante, hein. Hop. Ok, il nous faut des escaliers là. C'est pas possible. Ben voilà, déjà c'est pas mal. Ah. Ah ok. Ok, j'ai pas tout compris mais... Ça passe pas, il faut sauter. Ok, c'est pas très grave. Du coup... J'aurais bien aimé mettre des fenêtres. Il y a un petit phacogère là, on va aller le tuer après. Je peux faire ça là ou pas? Ah,
Là, ça marche? Parfait. Ok, est-ce que je peux faire des fenêtres? J'ai pas l'impression, hein. Ça, c'est un portail en bois. Ah merde, mais c'est Minus? What? Attends, mais je peux pas mettre ça, c'est pas possible. Ok. J'imagine qu'on peut faire ça, mais... Ah oui, ok. On peut... D'accord. On peut faire des trucs comme ça. C'est intéressant. A plus tard, Kazuto, merci d'être passé, des bisous et bon appétit. Ok, du coup, de toute façon on n'a plus de bois, on n'en a que 6. C'est carrément pas assez, par contre, comment est-ce qu'on fait pour réparer? Parce que là, ça me paraît compromis cette histoire. Bon, on va aller chercher du bois, mais il faut que je me refasse une hache. Bon, on a une maison sans toit. Tiens, déjà, on va se faire... Viande crue. Ah cool, on va pouvoir faire cuire ça. Qu'est-ce qu'il dit lui? Invoquez la bête. Vous avez trouvé le lieu d'invocation d'un des déchus. Faites la bonne offrande sur son autel et il apparaîtra. Ah merde. Ah oui d'accord, ok, on a un nouvel endroit. Mais prenez garde, les déchus ne sont pas des proies faciles, alors forgez une arme redoutable, enfilez votre meilleure armure et mangez un repas copieux avant de les défier. Ok. De toute façon, je pense qu'on n'est pas prêt là à faire tout ça. Pour l'instant, on fait la maison, on peut pas tout faire. Ah, il y a une biche. Mais non, la maison, elle a un étage, elle a même pas de toit. Mais effectivement, j'ai trouvé comment faire les murs. J'ai trouvé... Mais... Toi, tu vas me laisser tranquille. J'aimerais juste trouver en vrai comment on fait pour réparer les trucs cassés. Mais je trouverai après ça, je pense. Il nous faut juste plein de bois, en fait. J'avais pas trop forcément envie de couper les arbres dans la... autour de la maison, mais du coup, là, il y en a par terre, donc c'est très bien. Il me faut juste plein de bois pour faire au moins le toit. Je peux pas faire de fenêtre, j'ai l'impression, donc on va laisser des trous. Hein. Par contre, c'est un peu con que les escaliers, ça marche pas, quoi. C'est pas très grave. Alors, fais voir. Du coup... Ah oui, je peux faire un coffre.
Pour l'instant, on va en faire juste un. Ah, je peux faire un lit. Attends, ça doit être dans le sens comme ça plutôt. Ah. Du repos pour les braves, dormez dans votre lit pour vous réveiller le matin en débordant d'énergie. Améliorez aussi votre maison en y ajoutant des coffres pour y stocker vos objets. Il vaut mieux toujours avoir de l'équipement en plus au cas où il arrive quelque chose pendant que vous êtes en pleine exploration, effectivement. Merci pour le conseil, monsieur. Pour l'instant, dans le coffre, on va mettre ça. Ah. Je peux pas faire ça, là? Quel enfer. Alors ça, il va leur falloir un raccourci, hein, parce que sinon, ça va être horrible. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est pas mal. L'herbe qui pousse dans ma maison, je trouve que ça donne un style. Ah, l'établi requiert un toit. Ah bah, mais bah dis donc, Kéo. En plus, ça fait la fine bouche. Alors, un toit. Ça, non, dans l'autre sens. Le soleil dans la tronche, c'est pas super pratique, mais... Tiens, tu veux pas te poser là où t'es censé être posé, toi? C'est un peu... C'est pas hyper intuitif, hein, comme contrôle, je vous le cache pas, que c'est assez compliqué de faire... la fabrication, mais c'est pas grave. Ah oui, mais du coup, là, je peux pas. Ah si! Très bien, j'ai des fenêtres. Ah, j'ai pas assez de bois. Ok, ok. Bah, on va aller couper du bois. C'est pas très grave, hein. On a une forêt juste à côté, on va en profiter, hein. Par contre, je pense que c'est intelligent si on met un petit marqueur. Est-ce que c'est possible ? Attends, ça c'est un ping. Mais le problème c'est que c'est pas ça. Ah si. Ok. Cool. Home. Cool. Enfin, je crois que c'est à peu près ça, hein. Ça me paraît pas trop mal. Allez, hop, on va couper du bois. J'entends des petits bruits derrière. Je te vois, méchant. Viens là. Je te tape, moi. Ah, mais toi aussi, je te tape. Ah mais putain, mais c'est l'enfer là-haut, laissez-moi tranquille vous. Ah merde! Ah merde, je suis mort. Ah. Ah merde, je suis mort. Bon. Bon, bah comme ça, on aura testé la mort dans le jeu. Bon, ça va, on n'est pas méga loin de la maison. La mort, vous êtes mort, oui.
Ah non, 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 mais oh les gars, j'ai rien sur moi là. Faites-moi pas chier. Vous allez réapparaître un point d'apparition actuel. Ok. J'ai pas d'armes, ne m'embêtez pas. Plus je suis tout nu. Voilà quoi. Ah, on est dans la forêt noire. Demi-tour, cet endroit est dangereux. Vous avez atteint la forêt noire. Cet endroit peut être très dangereux pour ceux qui ne sont pas assez préparés. Prouvez votre valeur en éliminant Ektir. Ok, mais... Je fais comment pour aller chez moi? Je dois vraiment être à la limite, hein, du coup. On ne doit pas être loin. Je la vois. Objet récupéré. Cool. Très bien. Ça y est, recommence à faire nuit en plus. Les journées sont pas très longues, hein. Bah ouais, j'ai l'impression. Alors, je pense que je peux définir mon lit comme point de respawn. Il faut juste que je regarde comment faire. Mais effectivement... ça m'a l'air d'être exactement pareil. Alors, fais voir. Oh ouais, c'est vrai, même le jour, il fait pas jour de ouf. C'est vrai, t'as raison. Je trouve que c'est assez sombre comme... Je suis obligée de sauter pour rentrer chez moi, quel enfer. Alors du coup, fais voir si je peux faire... Un fire. Tiens, on va le faire. Ah, ça marche. Bloqué, pourquoi? Ah, mais attends, mais c'est parce que je peux pas le faire à l'intérieur. À l'intérieur, ce qu'il faut faire, c'est la cuisine. Enfin, je crois. Ah non, du coup, il faut un... Il faut un feu de camp dessous. J'ai rien compris. C'est pas bien clair, hein, cette histoire. Parce que ça pose aucun problème de mettre un feu dehors, hein. C'est le Rust, c'est post-apocalyptique. Le lit doit être à proximité d'un feu. Ok, mais les gars, je peux pas faire de mettre, je peux pas mettre de feu à l'intérieur. Merde, il manque des pierres maintenant. Quel enfer. Ah, attends. Là, le feu, il est assez près. Non, mais au pire, c'est pas très grave. Du coup. Ce qu'on peut faire, c'est... On met le lit dans l'entrée, au pire c'est pas très très grave. Hein. Point de réapparition créé. Ok, bah un repos. Bah ouais, je sais pas, mais je comprends pas pourquoi il faut que le feu soit à proximité du lit, tu vois, mais bon, c'est bon du coup.
Vous vous sentez reposé, ok. Mais genre, il fait toujours pas jour? Jour 3. Ah si, ça commence. Ah, ça compte les jours pour moi, ok. Alors, est-ce qu'on continuerait pas notre petit toit du coup? C'est lequel que je fais? C'est celui-ci? Celui-là. Genre. Voilà. Ok, et en haut. Genre là, je peux pas les mettre. Ah, mais c'est là où, du coup... Putain, c'est hyper chiant, en fait. C'est très très dur de d'arriver à... positionner les trucs, en fait. Mais là, c'est minuscule. Le... Attends. Ah ouais, ok, mais ça sert à rien. Non mais sinon... Je comprends pas trop trop ce que je suis censée faire d'autre que ça en fait. Comment on fait pour fermer le toit? Parce qu'en vrai, c'est ça qu'il faut. Mais en haut. Je vais passer 15 plombes à essayer de figure out ce truc de merde. Alors au pire, ce qu'on peut faire, c'est ça. On va faire un toit plat. Mais au moins comme ça, on sera à l'abri. Voilà. On a des petites fenêtres. On a une mini porte par contre. En fait, on est un peu petit. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, je peux virer ça. Bah non, fallait pas te brûler, putain. Et là, on peut effectivement faire une cuisine ici. Voilà. Et du coup... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai cuit là du coup? Ok, j'ai pas tout compris, mais ça se passe. Du coup, ça a dû prendre la viande, je pense. Ok. Elle est marrante, ma maison, non? Il y a un oiseau dessus. Je sais pas trop quand est-ce qu'on sait si quand c'est cuit, mais... Nouveau matériau. Ah merde, charbon. Ah shit. Ah ok.
Ok. Ah, trop bien! Trop bien. Trop cool. Comme ça, voilà, ça c'est fait. Très bien. Bon bah du coup, je pense qu'il faut qu'on aille faire plus de bois. Je vais encore devoir me refaire une nouvelle hache. Vu que j'ai toujours pas compris comment on faisait pour réparer les objets. Super, les escaliers qui servent à rien, franchement. J'essaierai pas de les refaire, les escaliers, attends. Non. Bon, au moins... Ah bah voilà, c'est bon. Il en fallait deux en fait. Ok. Très bien, du coup... Il faut qu'on refasse... une hache. Puis on va partir en explo, non? Ça peut être pas mal. Putain, par contre, l'enfer de transférer dans les coffres. Ok, bon bah de toute façon on va bouffer les framboises, hein, c'est pas très grave. Y'a une biche? Bah, regardez, y'a une biche. Elle est sur le rocher. Ah mais non, mais c'est une fosse, c'est une pierre. Ah bah oui. Pierre unique. Ah ok. Chasser les siens, d'accord. Oh bah je pense qu'il faut qu'on mette un truc de biche dessus, c'est un peu logique hein. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse se faire un arc, genre. Ça pourrait être pas mal. Bon, je propose qu'on parte en exploration, qu'on en profite pour récupérer des trucs. Il y a peut-être des trucs à looter. Dans les maisons comme ça. Ah oui, c'est une maison en pierre et tout. Ah. Quoi, tu veux te battre? Oh putain, il tape, hein. Je vais mourir. Ah voilà, je suis mort. Ok. Bon, normalement, je respawn à mon lit, donc on est vraiment pas loin. On est tout nu. Il va falloir aller récupérer mon corps en toute discrétion parce que je pense que je ne suis pas dispo pour... Enfin, je suis pas au niveau pour récupérer... Enfin, pour les tuer, ces petits squelettes. Hein. Par contre, le facochère, c'est pas trop une bonne idée.
Ok. 6J à quoi? Ok, très bien. Alors du coup... En vrai, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à faire d'autres choses que... que juste couper du bois et ramasser des pierres, quoi. Peut-être que ça, ça va nous donner des trucs différents. C'est du sapin, c'est pas du hêtre. Pas sûr. Hein. Ouais, chaque truc donne 10 bois en fait. Ah oui, ce serait pas une mauvaise idée de manger des... Y'a pas des trucs... Mais putain, ils tapent fort, eux. Ah ouais, ok. Mais c'est hyper dur, en fait, au début, dis donc. Il faut vraiment que j'apprenne à faire d'autres armes, là. C'est pas possible. Il me faut au moins un arc. Je pense que c'était ça, la forêt noire machin, là, où il m'a dit, dis donc, t'es pas assez équipé pour ça. Je pense que c'était ça, en fait. On est beaucoup trop proches. Oui, je vois de mon corps, du coup. Ah, mais ça prend de l'énergie de se cacher, en fait. Mais vas-y, mais laisse-moi tranquille, toi. Il est ouf, lui. Bon, eux, ça va, ils sont pas trop... sont pas trop chiants. En vrai, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah, attends. Du coup, on met ça où? On met ça dehors? On met ça là? Ah. Ok. Ah, ok, c'était la table de fabrication niveau 2, en fait. Ah, putain, ok. Je viens de comprendre. Ah,
Ah mais très bien, mais améliorons. Ah mais c'est trop bien. Ah mais il faut des fragments d'os. Bah écoute, oui, c'est bon, ça a avancé un petit peu. J'ai fait ma maison et surtout j'ai découvert comment crafter plus de trucs. Donc là, on va pouvoir se faire... On va pouvoir se faire des... Ah, il me faut des morceaux de cuir, ok. On va pouvoir se faire d'autres choses, en fait. Il faut que j'aille chasser le sanglier pour récupérer des bouts de cuir. Par contre, Halloween, je t'aime, mais il faut que tu te barres, là. Parce que je vois pas le... Je vois pas l'écran. Ah, allô? Tu peux partir? Ou te mettre sur mes genoux, mais... Je peux pas rester là, je ne vois pas. Va-t'en. Venez. Va-t'en. Pardon, je suis désolée, il y a un gros chat noir et blanc qui me prend toute la place sur mon bureau. Tu peux partir. Viens. Oh là là, quel relou. Tiens, tu restes là? Tu restes là? Tu fais câlin? Oui. Allez, fais dodo. Fais dodo. Good boy. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un couteau en silex. Ah oui, tu ronronnes dans le micro, toi. Par contre, arrête. Arrête. Voilà, vous avez droit au super ronronnement de mon chat. Très bien, on va, il nous faut du sanglier. De toute façon, c'est clair. Là, on n'a pas le choix. Il nous faut du sanglier. Alors, ils étaient où? Oui, mon chat, je sais, je sais, je sais. Là, il y en a un. Des petits lags, hein, quand même. Mais oh, dis donc, d'où tu me tapes, là? Eh non, mais lui, là. Mais je rêve. Ah, par contre, il a rien donné? Ah si, bout de cuir. En vrai, il nous en faut beaucoup plus que 4. Mais ça serait aussi bien qu'on se fasse pas défoncer la gueule par tout ce qui traîne par là. On va éviter d'aller dans la forêt. Que clairement c'est dangereux. Sanglier. Alors lui c'est pas un sanglier mais c'est pas grave. Et le truc trop bien là-dedans, c'est que effectivement, on peut dormir la nuit, hein, du coup. Et faire passer la nuit, c'est cool. Ah. Que tous ceux qui me lisent prennent garde aux nains gris, les rôdeurs des ténèbres, ceux qui n'ont pas d'âme. Ils naissent de la pourriture et de la pluie, jaillissant comme des champignons d'un sol fumant. Il n'y a rien sur leur langue ou derrière leurs yeux. Ceux qui ne craignent rien devraient tout de même les redouter. Quand l'âme d'un meurtrier ou d'un grand pêcheur nourrit sous la terre, pourrit sous la terre, il en fait un kyste creux pour qui attire la roche, le bois et la mousse. Il accumule la tourbe pour la transformer en chair, tresse des roseaux en os et fait peau de haillon. Ce tas d'immondices prend vie au crépuscule. Si vous lisez ceci, armez-vous d'une épée et restez sur vos gardes. Vous sortez une torche car les flammes, ils craignent. Ah, mais ça, c'est bon à savoir, du coup. J'avais oublié qu'on avait une torche. En vrai. Mais nous, tout ce qu'on cherche, c'est des sangliers, quoi. Mais... Ah oui, tu peux avoir les deux, ok. Il n'y avait pas des sangliers par là tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y a, mon chat?
Mais Halloween, arrête. Oh, il y a des biches. Arrête de jouer avec le micro, c'est pas un jeu. Regarde, en plus, je fais n'importe quoi, du coup, bravo. C'est ça, les Nangris, hein, du coup. C'est juste que leur nom, il est en anglais dans mon jeu, mais... Je pense qu'il manque un peu des traductions, comme on est en Early Access. Ok. Il fait froid. Ben oui, mais t'es mignon, il fait froid. Oui, ben je sais. Mais je cherche des sangliers, moi. Bon, allez, on rentre à la maison. Ok. Ok, donc là c'est le cercle de pierre du début. Je crois que j'en profite, j'en ramasse des pissenlits en même temps. Peut-être que j'aurais pas dû me mettre aussi long. Ah tiens, sanglier. Non mais viens là, reviens. Reviens gros. Non, pars pas. Ah merde. Oh putain, je me suis fait tuer par un sanglier. Décidément. C'est compliqué, hein. Bon. Est-ce que je prends le risque et je dors ou je vais... Non, je vais chercher mon corps d'abord et après je reviendrai pour passer le... Ça, c'est vraiment pas loin. Allô? S'il te plaît, tu peux arrêter de faire de la merde, tu me saoules là. Le truc, c'est que je vois pas ce que je fais quand t'es devant l'écran, chaton. Oui, je sais que tu veux des bisous, je sais que tu veux des câlins, mais là c'est juste pas le moment en fait. Alors tu pars? Ou tu viens là? Tu m'embêtes. Allez, viens là. Descends. Allez! Bon, prends une décision s'il te plaît, merci. Tu me saoules. Allez. Il est spécialement chiant lui ce soir. Purée, du coup j'ai perdu le sanglier quoi. Non, il est là. Ok. Ok, des bouts de cuir, c'est ça qu'il nous faut de toute façon. Il commence à faire jour, j'ai l'impression. J'ai envie de me griffer en fait. Attends. En train d'équiper. Voilà. Bah oui, je sais que je me réchauffe. Je suis devant mon feu. Et eux là, ils donnent pas de... Les biches, je vais pas pouvoir... J'ai pas trop envie de les tuer en plus, les biches. C'est gentil, les biches. On va dormir. En repos.
Vous rêvez d'un grand arbre qui s'étend dans la nuit. Des flammes font craquer la moitié de ses branches tandis que l'autre moitié est couverte de feuilles vertes. Ok. Très bien. Jour 4. À la chasse au sanglier. Alors. Ok. Et c'est vrai que même là, dis donc, il fait pas bien jour, hein. C'est, il fait sombre, hein. Ah mais là très bien là. Merde. Ok. Merde. Non, pars pas, reste là. Ah. Bah déjà un peu mieux, combien on en a? 8. C'est pas la folie, hein. Ça serait pas du luxe d'en trouver d'autres. Oh, des framboises. Ah, dis donc, là il y en a beaucoup, hein. Ah, on a trouvé un autre cercle de pierre, ok. On va peut-être pas y aller tout de suite. Je pense qu'on est, on n'a pas du tout le niveau en fait. Là, la priorité c'est vraiment de me faire un arc, je pense, histoire de pouvoir. Un arc et une épée, hein, ça serait pas du luxe. J'entends, il y a des trucs dans la forêt, mais je les vois pas. Le problème c'est que les biches sans arc ça va être compliqué. Ah non, du coup c'est bon, putain quel enfer. J'aime pas tuer les biches et tout mais là j'en ai vraiment besoin quoi. Trop bien la discrétion, ça fait carrément plus de dégâts. Oh. Cool, j'en ai 10 du coup. Un peu de viande. Pourquoi tu traînes près chez moi toi? Ok, alors du coup, allons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un arc.
Ah, on peut faire ça. Trop bien. Ah, il va manquer des plumes. Comment je les ai eues, les plumes? J'ai tué un oiseau? Non, je me souviens plus. Ah, on va pouvoir travailler la terre. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah ouais, mais putain, faut du cuir pour tout, en fait. Du cuir et des silex. On peut aller chercher du silex, en vrai. À côté de l'eau, il y en a partout. Fais voir, du coup. Ok. On devrait pouvoir se débrouiller pas trop difficilement. Silex. Là. Ok. Revirax, qu'est-ce que t'as mangé de bon? Raconte-nous tout. On devrait trouver un petit lac au bord de l'eau, normalement, je pense. Ah, elle est trop bien, Upload. Moi, je l'ai vue quand elle est sortie l'année dernière et j'ai adoré. En vrai, ça pose le cerveau, c'est trop bien. Miam, des œufs à la coque. Et des œufs à la coque, il faut vraiment que je m'en fasse parce que c'est une trop bonne idée. Bah, c'est quand même une comédie, quoi. Donc, c'est. Oui, c'est un sujet sérieux, effectivement. Mais j'ai un super bon souvenir. Oui, c'est vrai qu'il y a des thématiques assez puissantes. Mais c'est quand même amené sur le sujet de la. Merde. Je devrais pas faire ça, en fait. Ah, je peux pas récupérer mes flèches? Super. Ouais, je crois que c'est les œufs à la coque en ce moment pour toi, je dirais que c'est un peu comme moi et mes croques chèvre miel. Je fais que ça depuis que j'ai trouvé des petites bûchettes de chèvre au magasin, j'en peux plus, je fais que ça. J'adore. En vrai, ce qu'il faudrait faire, c'est. Attends, parce qu'on a quoi là comme silex? On en a que 9, c'est pas énorme. Hein. Du coup, moi j'ai enfin fini. Enfin, j'ai enfin regardé la saison 4 de 10%, parce que je l'avais pas vue, elle était pas dispo sur Netflix et elle était pas dispo sur Canal non plus. Donc je l'ai enfin regardée, je suis refaite, j'ai kiffé. Et là, j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Family Business. Ah, vous avez un petit creux. Bah, on mange une framboise, t'inquiète, hein. Et c'est hyper dur. Il est où le troisième? Ah, il est là. Je vais mourir.
Ah, j'avais pas un... Ah si, j'avais un champi, mais je sais pas si ça va aider ou pas. Faudrait que j'aille faire cuire ma viande, peut-être. Ils veulent pas rester immobiles. Ok. J'ai adoré la saison 4. Même si j'aurais préféré que ça se termine autrement, j'ai quand même adoré. Franchement, j'ai passé un trop beau moment. Ça m'a beaucoup plu. Y'a pas d'autres silex là? Ah ouais, t'avais pas accroché à la saison 2? Ah ouais, bah moi j'ai adoré. Bah là, ça m'avait manqué de... Ça m'avait manqué. Du coup, je suis contente d'avoir pu reprendre. C'était la frustration quand elle est sortie que de pas pouvoir regarder en fait. Ah, tu parles de Family Business, pardon, je pensais que tu parlais de 10%. Ben ouais, alors bah du coup j'en suis au plein milieu de la saison 1. Non, je commence juste la saison 2 là et je t'avoue que j'ai pas trop suivi le premier épisode, faut que je le recommence du début parce que je faisais autre chose en même temps. Mais effectivement, la première saison, hyper drôle quoi, j'ai beaucoup aimé, après... À voir effectivement la saison 2 ce que ça donne, puisque là je vois pas trop ce qu'ils ont en tête pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? On n'a pas genre un trophée, genre ça, trophée de sanglier. On pourrait pas avoir un trophée de cerf du coup, parce que je pense que c'est ça qu'il faut qu'on mette sur l'autel là-bas. Qu'est-ce que... On en a 19 de silex, ça va le faire, on va rentrer. Mais ça marche trop pas à l'arc en fait. Attends. Laisse-moi changer d'arme avant de me foncer dessus, s'il te plaît. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça? Des trucs un peu mieux. Déjà, on va faire cuire. Je pense qu'il faut effectivement qu'on attende très vite fait. Ah, il y a un cerf là-bas aussi. Alors. Viande cuite. Cool. Trop bien ça. Alors.
Attention, discrétion. Merde, elle m'a vu. Ok, super, ça sert trop à rien. Super. Ok, c'est de la merde en fait l'arc. Surtout que du coup j'ai quoi? Il me reste 7 flèches, super. On adore. Pour l'instant j'ai pas réussi à toucher qui que ce soit avec une flèche. Hein. Et je sais toujours pas ce à quoi servent les pissenlits. Je m'en suis point sûre. Y'a pas de silex là-dedans? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un couteau en silex. Déjà, on va upgrade l'arbre. L'arc. L'arbre. Ok, est-ce qu'on peut pas... on peut pas réparer des trucs? C'est un peu relou. Ok, ah oui mais on a rien du tout, on a plus de bois, on a plus rien là du coup. Ah mais ça je peux les faire cuire aussi. En fait ce qu'il me faudrait c'est un trophée de cerf que je puisse avancer un petit peu quoi. Virek, c'est drôle ça. C'est vrai que c'est un drôle de nom pour des zombies. Alors, faisons un peu à bouffer. Faudrait que je reprenne du bois pour refaire des flèches du coup. Sans la nuit va tomber là, je pense. J'avais pas vu cet arbre. Il est ouf. T'avais aimé toi Charlotte du coup la dernière saison de 10%? Hop. Voilà donc toute notre viande est cuite. Ce qu'il faut c'est du bois. Hop. T'en es où toi dans GTA aussi, Virox, du coup? Là, c'est bon, les US... vous avez un petit creux. Bah ouais, mais en même temps... je vois pas trop comment... ce que je peux faire d'autre, là. Ouais, parce que du coup, là, les US, sur GTA, c'est en train de repartir un peu comme Rust il y a quelques semaines. Il y a des serveurs RP qui sont en train de se monter et tout machin. Donc là, je pense que ça va revenir ici dans pas très très longtemps. Oui, c'est vrai qu'il y avait rien de très très original sur cette saison 4. Mais moi, j'avoue que ça m'a fait plaisir de tous les revoir en fait. C'est surtout ça, je crois. C'était plus de la nostalgie qu'autre chose.
toute façon, en ce moment, je suis un peu genre hyper nostalgique de tout ce qui est bah, français, puisque je ne peux pas rentrer, donc c'est un peu compliqué. Vous avez un petit creux? Ben oui, mais t'es gentil, j'ai rien d'autre à bouffer, moi. Ah, trop cool, J-Rex, bien. Bien, bien, bien. Bon, on va dormir, il fait nuit. Je vous avoue que je suis un petit peu... dubitative. J'aime beaucoup ce jeu, c'est très sympa et tout. Mais je trouve que ça fait quand même pas fini, quoi. Il y a 2-3 trucs qui sont un peu frustrants. Et là, j'avoue que je suis pas persuadée de savoir ce que je suis en train de faire, là. Crafter pour crafter, c'est compliqué. Ok. Il me faudrait des flèches en silex. Il me manque quoi? Ah, des plumes. Je peux pas en faire. C'est pas grave, on peut faire ça. Des flèches en bois, pour l'instant, ça ira très bien. Hop, est-ce qu'on laisserait pas des trucs là-dedans, peut-être? Genre les pissenlits, on s'en fout. Le charbon, on s'en fiche. Bon, la pierre, on garde. Ah oui, il me reste une plume. Ça, en vrai, on pourrait... on pourrait les planter en vrai. Ok, ça marche pas. Pour l'instant, on va les laisser là. Non, mais il n'y a pas une touche, genre. Bah, on dirait pas. Non, mais parce que là, c'est chiant de faire ça, en fait. Je sais pas à quoi ça sert de garder les objets cachés. Bah, je pensais que je pouvais les réparer, mais je sais pas si ça va être très utile. Genre, les trophées et tout, on s'en fiche un peu. Bon, pour l'instant, on va faire ça. Ce qu'il nous faut, c'est... des biches. L'avantage, c'est que normalement, il y en a par là. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Allez. Oh, mais t'es chiant, allô? Tu peux me laisser jouer? Tu sais très bien que c'est pas moi qui m'occupe de ton dîner. Tu le sais? Oui, bah, je sais, mais c'est pas moi qui fais. Si t'as faim, tu vas en bas. Putain, des ronronnements de fou dans ce micro, c'est trop marrant. Ah, par contre, arrête. Ouais, on l'entend bien. Bah là, il était collé au micro, en fait. Là, il était carrément collé au micro. Je suis désolée, les biches. Les pauvres bichettes. Ah, bah voilà, c'est ça que je voulais. Alors, je sais pas pourquoi j'ai foutu ça, là. Ok. Elle m'a vu. Tant pis. Donc là, normalement... à mon avis...
si je fais... Ah, il en faut deux, les bâtards! Ok. Bon, au moins... Au moins, je sais ce qu'il faut faire. J'en ai vu un autre de... Ah bah, elle est là. Il est passé où? La pauvre biche. Pauvre bichette. Halloween, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'essaies de manger le micro? Il me faut des plumes. Merde! Zut, en plus j'ai gâché une flèche. Arrête, allô! Ça suffit! Ne te frotte pas contre le micro. Oh, le relou. Oui, je sais. C'est pas moi qui décide. Allez, y en a pas d'autres là? Des biches? Qu'est-ce que t'es relou? Ah, c'est quoi? C'est des blueberries? Des myrtilles! Je crois que je suis dans la forêt là où je suis pas censée être en vrai. Boulet. Oui, mais c'est pas toi qui décide. C'est vrai. C'est pas à lui de décider si il a bouffé maintenant ou pas. C'est surtout pas moi qui m'en occupe en fait. Ah, alors par contre, ma souris sans fil vient de me lâcher, donc je ne peux rien faire. On adore ça. Merde, par contre, je l'ai coincé derrière le fil. J'y arrive, hein. Faut juste que je rebranche ma souris. Voilà. C'est mieux quand ça marche. Ah, j'ai cru que c'était moi qui avais dit ça. Arrête, Halloween. T'es chiant. Va-t'en. Va-t'en, tu m'embêtes. Tu m'embêtes. Va-t'en. Ah, je l'ai dit aussi, ok. Je suis pas folle. Non! Bon, ok, ça marche pas très bien comme ça, il faut surtout que j'arrive par derrière, je pense. Ben ouais, j'ai un petit creux, mais j'ai rien d'autre que ça, quoi. Que des framboises. Il n'y a pas d'autres champis, j'en ai pas vu.
sais pas pourquoi je continue à ramasser des pissenlits, je suis pas sûre que ça serve à quoi que ce soit. Ce serait pas une mauvaise idée si on avait des champis. Parce que là en vrai j'ai pas de légumes quoi. Après des framboises, oui j'en ai plein mais... Ok donc là on est retourné au début. Ah oui bah ok bon bah du coup c'est bon, je suis en train de faire le bon truc hein. C'est juste qu'il faut que j'arrive à tuer d'autres cerfs en fait. Je suis trop nulle. Attends, là, il y a des biches. Parce qu'en fait... Quand je tire, ça me met debout. Avec l'arc. Est-ce que j'ai eu ce qu'il fallait? Pas du tout. Ah si, c'est bon. Si, si, c'est bon. Allez, let's go, on rentre. J'ai eu les deux. Vous offrez le sacrifice. Je suis pas prête, hein. Je sais pas ce que ça va faire, mais... Ah, merde! Oh, shit! Hein? Mon Dieu! Mais dans quoi je m'embarque? Putain, la musique. Ok. Bon. Ok. Bon bah de toute façon avec mon petit arc et mon petit bâton ça va être compliqué là. Hein. Il va falloir que je me trouve un truc un peu plus performant je pense. Merde, mais il est toujours là en fait. Cours ! Putain. Oh là là, quel enfer. Ferme ! Ah le bâtard! Il est en train de casser ma maison! Merde! Ok, on se barre. Laisse ma maison tranquille. C'est bon, il est parti. Ah bah merde, hein! Oups. Oh shit! Oups!
Ok. Déjà, ça, c'est mieux. Ah, mais attends. Attends. Comment je fais pour réparer Ok, donc là j'ai compris comment réparer des trucs, mais pas tout. Ok, j'ai pas tout compris cette histoire, mais ok, donc déjà je suis pas du tout assez forte pour m'occuper de cette horrible bête. Ça, je sais pas comment on fait pour niveau de la station de réparation, mais je comprends pas. Alors attends. Tapis de serre. Ouais, pour l'instant, c'est pas le plus utile, hein. Support de tannage. Table de fabrication, amélioration. Ok. Ah oui, ok, ça va être notre niveau 3. D'ac, compris. Bah de toute façon c'est ça qu'il va nous falloir hein, le niveau 3, donc qu'est-ce qu'il nous faut? Des... Ok, des serres et des... et des... Oh merde, il a cassé mon truc, le bâtard. La cuisine. Il nous faut des serres et des... comment ça s'appelle? Sanglier. Mais attends, mais c'est une pierre, c'est pas du tout un sanglier. Il nous faut du cuir, de toute façon là on n'a pas le choix. Si on veut se faire le boss là. Oh merde, l'oiseau il est parti. Voilà. Non, il en faut plus que ça. Hein. Champi. Et un champi. Il est passé où le truc? Je l'ai perdu.
Ok. Là, il faut vraiment qu'on fasse le niveau 3, je pense, de la table. Et après, on devrait pouvoir se faire des armes un peu mieux, genre une épée ou un truc comme ça, quoi. Je trouve que les journées durent vraiment pas longtemps dans ce jeu, par contre. Ah, le petit lag là. Ah, trophée de serre, trop bien. Oui, on va rentrer. On rentre à la maison pour passer la nuit en espérant que l'autre taré nous voit pas. Bah merde. Putain, fais chier, tiens. C'était quoi dans l'idée, pourquoi j'ai eu envie de... Oh putain, il m'a cassé mon coffre, le bâtard. Pourquoi j'ai eu envie de faire ma maison ici, on en parle ou pas? Mais putain, à chaque fois que je vais m'approcher de lui, ça... Mais ça va être un enfer. On vient là. Je vais mourir. Vous êtes mort. Bon, en vrai, je pense que c'est pas faisable. Tant que j'ai pas une meilleure âme, ça va être compliqué. Ça me paraît très très compliqué cette histoire. Oui, bah il fait froid, putain. Perdu. Le petit con. Bon. Bon, en plus, j'ai même plus de tunique, c'est super. Ça, ça peut aller là. Les trophées aussi. En vrai. J'ai pas d'autres. J'ai pas de champi par contre. Donc ça risque d'être compliqué. Alors. Du coup, faut
qu'on répare ce bordel. Bon, il est vraiment pas loin en plus là, l'autre. Mais bon. Ah mais du coup je peux le faire ça. Ah bah trop bien. Il me manque quoi? Ah bah non, je peux pas le faire. Il me manque. Ah ouais putain. Il me manque grave du cuir. Dac. Ok. On peut pas faire un. Genre un couteau en silex ou un truc comme ça, attends. Ah mais c'est pas assez en fait, moi ce qu'il me faut c'est genre une. Ça. Une lance. Ça pour travailler la terre, ça va être trop bien. Mais là tout de suite maintenant, est-ce que. Ouais bon c'est pas grave, on utilise ce qu'on a. Oh ok maintenant. Ah mais maintenant ce que je peux faire c'est. Il est où l'oiseau? Je l'ai entendu mais. Enfin j'ai vu le. Et là. Cet outil permet de travailler la terre, c'est l'outil complémentaire idéal pour le marteau utilisé pour dégager le sol et manipuler le terrain. C'est plus facile pour créer des bâtiments sur un sol plat. Tu m'étonnes! Bon, en attendant, on est quand même dans la merde. Dormons. Vous vous tenez à la proue d'un navire filant sur le courant, les embruns vous aspergent le visage et les cris enjoués des mouettes résonnent au-dessus de vous. Ce rappel. Ah, ce rêve vous rappelle. Je sais pas. Ok. J'ai encore choisi le pire endroit pour ma maison quand même. Parce que du coup. Fais voir. Ah oui, bah c'est comme. Ok. C'est comme. Okay. C'est exactement comme les Sims en fait. Hein. Alors là-bas, il y a des biches. Mais le problème. C'est que. Il y a le putain de boss quoi qui est là. Je fasse hyper gaffe. Je suis désolée, les biches. Je suis vraiment désolée. Ok, maintenant il me faut absolument des sangliers en fait. Ça serait pas une mauvaise idée que je me fabrique des fringues aussi, on en pense quoi? En vrai, je préfère utiliser ça. Hein.
Ok, on a déjà un haut, c'est déjà pas mal. C'est horrible de taper les biches. What? Pourquoi il est là, lui? Putain, mais je suis hyper loin, là. Il me saoule aussi. Putain, le con, mais il me suit, quoi. Je vais mourir. Je suis mort. C'est hyper dur. Bon. C'est chiant, hein. Je vous avoue que je ne suis pas... Je suis un peu frustrée là, du coup. Je vais chercher mon corps. Oh, laissez-moi tranquille, vous. Mais non, mais pas encore, là. C'est bon, qu'il me laisse tranquille, maintenant. Putain, mais il est là, en fait. Ah, mais le bâtard, en fait, il s'arrête là où tu... Ouais, mais j'ai pas d'endurance, donc ça va être compliqué, là. Il est où, là, mon corps? Il est là. J'aimerais bien qu'il me lâche, en fait. Mais du coup, j'ai pas l'impression qu'il veuille me lâcher. Est-ce qu'il va pas me trouver ? Ça marche pas du tout. Comment je vais faire maintenant si je suis poursuivie? Oh putain! Il y a un troll. Ils veulent pas s'entretuer. Je fais la cueillette. Hein. Tant qu'on y est. En vrai, je sais pas trop comment je vais m'en sortir là, j'avoue. Putain, il y en a un autre là en plus. C'est quoi lui? Hein? Putain, mais laissez-moi tranquille!
Un troll! Dans les cachots! There's a troll in the dungeons. I thought you ought to know. C'est la merde, les gars, c'est la merde. Ouais, non, mais à main nue, attends, ça fait 15 fois que j'essaye, pas à main nue et j'y arrive pas là. Ah putain, mais laissez-moi tranquille! J'ai construit ma maison au pire endroit, quoi. Ça tape, en fait. Je suis morte. Encore. Non, mais là, c'est bien, parce que du coup, je pense que je... Enfin, faut que j'essaye de récupérer mon corps discretos, en fait. C'est... J'ai mis ma maison au pire des endroits. Hein. Bien. Alors, réfléchis. Rafiki, réfléchis. Putain, le bâtard, il est vraiment pas loin en plus, hein. Ah bah du coup c'est bon, mais en fait il me repère mais de tellement loin, mais en fait je peux pas, je vais pas y arriver. Je pense que là ça va être compliqué quoi. En vrai j'aimerais vraiment pouvoir récupérer mes affaires s'il vous plaît. Il est où mon corps ? Bon, le problème, c'est que sans endurance, je ne peux rien faire. Donc en fait, à part me prendre des coups, je peux même pas esquiver, je peux même pas attaquer en fait. Donc à part continuer de mourir... Parce que le problème c'est que là je peux même pas esquiver en fait. Et je peux à peine attaquer. Et en plus j'ai plus de flèches. Ouais, elle est puissante la biche, ouais. Ouais, c'est compliqué hein. Je suis encore mort. Bon bah de toute façon je vais continuer à la faire comme ça hein, jusqu'à ce que j'arrive à la tuer. De toute façon j'ai pas le choix. Non mais en fait ce qui est relou c'est que j'ai mis ma maison beaucoup trop près de son... De là où elle pop quoi, et maintenant je me suis... Enfin et maintenant je suis niquée quoi. En plus là je suis à main nue donc c'est chiant parce qu'il faut que j'aille récupérer mon bordel avant qu'il m'attaque. Voilà. Par contre la musique elle est ouf. J'ai réussi à le bloquer. Mais le problème, c'est que sans énergie, ça va être compliqué. Toi, par contre, dégage. En fait, juste.
Ouais, je sais que je peux esquiver, mais il me faut de l'énergie pour esquiver et pour attaquer, donc en fait... Regarde, je peux esquiver comme ça, hein, mais ça prend toute mon énergie et j'en ai aussi besoin pour attaquer. C'est bien. Ça se passe hyper bien comme début d'aventure du coup. Oh putain. Ami me repère de si loin là. En fait, juste d'abord, il faudrait que j'arrive à récupérer mes affaires, quoi. Attends, elle est où ma tombe? Elle est là. Je vais y arriver, hein, c'est juste que ça va prendre hyper longtemps, c'est tout. Puis il y a les petites merdes comme ça aussi qui en profitent pour m'attaquer, du coup c'est pas une bonne idée. Ils veulent pas s'entretuer, sérieux? Mais il est beaucoup trop puissant, mais carrément. Mais le problème c'est que du coup, maintenant je suis dans la merde vu que je peux pas récupérer mon corps sans l'aggro. Donc là, de toute façon, j'ai pas le choix, hein. Il faut que je le finisse comme ça. La bonne nouvelle, c'est que il régène pas pendant que je meurs, donc du coup, ben, je vais finir par l'avoir à l'usure. Hein. C'est pas très très grave. Il m'a déjà détruit ma maison deux fois en plus, ce connard. Ça tremble, hein. Il est pas con... Elle est pas contente, la biche, hein. Ce n'est qu'une question de mental. Tout à fait. Absolument, c'est une question de mental. Faut être fort pour ce jeu. Vraiment. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... j'ai construit ma maison... juste à côté de son spawn, en fait, qui donc se trouve là, entre les pierres, donc tu le vois, voilà. Et du coup,
je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop fort pour moi. Et sauf que du coup, bah, en fait, si je mourais vers ma maison, ben bah, il la détruisait à chaque fois, quoi. Donc. Mais là, on est bien parti, hein. Faut juste pas qu'il régène. Merde. Mais pourquoi il est sans arme? C'est quoi son problème? On est presque. Mais toi là, tu vas pas me saouler. Dégage. Allez. Yes. Il est mort. Il était pas content, hein. Avec ses yeux rouges et tout là. Bon, nouveau matériau, bois dur. Ah, ok. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Bois dur. Trophée de cerf, ok. Et trophée, ok. Pff, c'était compliqué, hein. Félicitations, guerrier. Retournez aux pierres sacrificielles avec votre trophée de déchu et offrez-le en sacrifice pour que les dieux vous accordent leur bénédiction. Yes. Bah, vas-y, hein. Attends, par contre, on va juste récupérer tous les trucs qu'il a fait tomber et tout, qu'il a tout niqué. Bon, en vrai, c'était pas prévu comme ça aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Rentrons à la maison. Ouh là là, c'était compliqué, hein. Il nous faudrait vraiment plus... Ah oui, tiens, d'ailleurs. Ah, ça n'a pas marché. Il fait froid. Oui, bah je sais. Deux secondes. Bon, en attendant, il m'a niqué toute ma maison, l'autre, là. En plus, il me reste 4 PV. On va pas aller loin. Ah bah. Je suis mort dans mon jardin. Super. Oups. Du coup, mon corps doit être juste là, voilà, très bien. Alors, mettre du bois, ensuite. Faire la cuisine. Ensuite. Voilà. Ah, ça marche pas? Ah, il pleut! Là, il y a une petite merde qui m'a attaqué. J'avais que 4 PV, donc... du coup, voilà. Ah oui, mais quand il pleut, on peut pas avoir un... Ok. Et du coup, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que je peux pas avoir un feu de bois à l'intérieur. Je sais que c'est... Enfin, bon, voilà, quoi. Le problème, c'est que quand il pleut, on fait quoi? On mange pas. On mange pas. C'est fou ça quand même. Alors,
Bah oui, je sais qu'il pleut, mais du coup, je peux pas me faire mon feu à l'intérieur, donc c'est nul. Et le lit doit être à proximité d'un feu, donc ça veut dire que je ne peux pas dormir. Tu vois mon problème? Alors après, ce qu'on peut faire, effectivement, c'est... On peut voir ce qu'on peut faire avec ça. Oui, parce que ma maison est en bois et que ça va tout cramer. Tout à fait, sauf que je sais pas du tout comment... Je peux pas faire des trucs en pierre du tout là pour l'instant. Donc fais voir si j'essaie de faire... Si j'essaie de faire un porche. Ah ouais, non. Ok, ça va, j'ai compris. Bah, fais voir du coup. Attends, fais voir. Ouais, mais je veux pas remonter le. Je veux pas remonter le sol là, c'est un peu nul. Écoute, je crois que ça fera l'affaire, hein. Voilà. Ah non. Du coup, ça marche pas. Parce qu'il pleut des cordes. Comment on fait dans ce truc horrible? Et on peut pas faire. Cool, mais on peut pas fabriquer d'autres choses. Bah, c'est pas grave, on va attendre qu'il pleuve plus, hein. On va refaire la petite. Oui, bah je sais que je suis humide, je sais bien, il pleut. Voilà. Mais non, mais ce jeu est ouf! Ce jeu est complètement ouf! Et du coup, je peux rien faire. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre là? Du coup, il n'y a pas grand-chose hein, qui me. Déjà, c'est pas mal. Vous êtes humide. Bah oui, mais je t'emmerde. Comment ça C'est bon. Il pleut plus. Et tu sais quoi? La cuisine, c'est encore pire que dans Rust. Il faut absolument rester à côté. Tu peux pas voir quand c'est cuit. Il faut attendre le bon son. Si tu le laisses trop cuire, ça fait du charbon et c'est foutu. Merde, du coup, je suis encore à poil. Voilà, c'était ça qu'il fallait attendre. Hop, viande cuite. Ok, du coup maintenant c'est bon, je peux dormir ou pas? Yes. Vous rêvez d'une rivière qui remonte la montagne, des plantes qui poussent sous terre.
Jour 7. Bon, du coup, je vais mettre mon trophée sur le truc, là. Je sais pas ce que ça va faire encore, mais... Attendez, faut que je m'habille. J'avais oublié. Ah, rien ne se passe. Ok, donc je fais quoi? Chasser les siens. Ah oui, bah oui, oui, ok. Faut voir si on descend là. En vrai, si on est intelligent, on continue à chasser la biche. Bon, je sais pas, elle est passée du coup trop loin, mais... Par contre, l'endurance, c'est pas ça, hein. C'est bois et c'est bon. Merde. Ces bois sont des branches de fer. Ils fendent la montagne et fissurent les rochers. Si sa boue résonne comme le tonnerre, sa voix est une tornade enchaînée. Oui, bah du coup, je m'en suis bien rendu compte. Et voilà. Ah! J'ai activé quelque chose. C'est bon? Ah. Vous avez obtenu le pouvoir d'Ektir. Utilisez-le à bon escient. Pour la prochaine, votre prochaine cible vit dans la forêt noire. Allez-y, explorez ces terres et découvrez ces trésors perdus, ces ressources enfuies. L'aîné vous attend. Mais ça veut dire quoi? Ok. On peut m'expliquer comment on fait pour l'utiliser du coup le pouvoir? Journal de message, vous êtes humide, vous êtes à l'abri, vous êtes humide, vous êtes exposé, vous êtes à l'abri, vous êtes exposé, vous êtes à l'abri. Alors, c'est génial, je suis trop contente d'avoir un nouveau pouvoir, mais... J'ai rien compris les potes, j'ai rien compris. Attendez, faut que j'apprenne à utiliser les sorts. Attends, on va d'abord rentrer. On va déjà rentrer, se mettre à l'intérieur de la maison et je vais regarder sur internet. Parce que moi, si je peux utiliser le tonnerre, je le fais direct. Hein. Alors. J'arrive. Mais non, mais pas du tout. Euh...
J'arrive, hein. 2 secondes, j'essaie juste de comprendre comment est-ce que je fais pour utiliser ce truc. Ok, bon bah je pense qu'il faudra qu'on se débrouille pour trouver ça tout seul, hein, parce que là ça me dit rien du tout. C'est pas grave. On verra ça après. Donc là le but... Le but c'est de trouver plus de serre et plus de cuir. C'est ça qu'il nous faut pour faire le truc numéro 3. Il faut qu'on fasse un autre. Il faut vraiment qu'on fasse un autre coffre, du coup. Ça, on va le mettre là. Purée, je comprends pas s'il y a. Il n'y a pas des raccourcis. Bon, ça on va le garder là, ça aussi. Je pense que le reste c'est good. Ça, on va se refaire juste des flèches en silex. Très bien. Bah, dis donc. Elle va aller vraiment loin. Là, nous, ce qu'il nous faut, c'est plus de biches. Ça m'embête de tuer des biches dans ce jeu, j'aime pas ça. Mais là, j'ai pas trop le choix, hein. Si je tue pas des biches, je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Le réflexe. Des biches et des... Ah, il y en a. Et des petits facochères. Oh, il y a une dire une étoile, je sais pas ce que ça veut dire, mais... Bah oui, mais j'ai un petit creux, t'es mignon. Thank you.
Ok, qu'est-ce qu'elle avait de plus, elle? Ah, elle avait plus de trucs. Ok. Ok, hop, des petites framboises. Les framboises, ça va, c'est pas ce qui me manque. Il me faudrait des sangliers. Ça serait bien parce que c'est ça dont j'ai besoin pour faire du cuir. D'habitude, il y en a quelques-uns ici. Ça marche pas, ça. Les oiseaux, ils sont pas tuables en fait. Pourquoi y a pas de sanglier ici, c'est de la merde. Ah bah c'est parce qu'ils sont tous là en fait. Non mais en fait sinon c'est pas grave. Ah oh, putain c'est dégueulasse. Moi tout ce que je veux c'est du cuir. Combien on en a? 7, c'est pas beaucoup, il nous en faut au moins 20. Que je vais réussir à la voir, elle pas gagner. Je peux pas parce que j'ai plus d'endurance. C'est pas grave. Il y a des sangliers là. Toi, t'es moche. Vingt, c'est beaucoup quand même. Hein. Mais on n'a pas le choix. Sinon, on peut pas faire le niveau 3 et on peut pas avoir des armes mieux alors. Par contre, c'est vrai qu'il y a un nombre de framboises, c'est assez hallucinant. Oula. Le troll, c'est juste pas une bonne idée en vrai. On va éviter. On a fait quoi de la map? Pas grand chose, hein. Franchement, on va pas se le cacher, on n'a pas fait grand chose, grand chose.
Ou le petit lag qui fait plaise. Qui sont les autres? Ils ont peut-être pas repop encore. M'a vu la connasse. Bon, des silex, on en a besoin. Cool, on apprend à nager. Ok. Bon, bah on va peut-être se la rentrer pour l'instant, du coup. Et passer la nuit dans la maison. En tout cas, la musique de ce jeu est très... J'aime beaucoup. Ils font flipper, eux, avec leur... Et fais voir, c'est quoi, attaque secondaire? Ah merde! Ah, je l'ai lancé! Ah merde! Shit! Elle est partie où? Ah, elle est là. Ok, et donc... Ok. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Je sais toujours pas comment faire le pouvoir, ça me paraît bizarre cette histoire. C'est pas grave. C'est la nuit, on dort. On commence une nouvelle journée. Je dois avoir des trophées à mettre.
Bon, ça, on va le mettre là. Non, ça, c'est dans l'autre truc. Voilà, c'est déjà pas mal. Le reste, on peut garder. Très bien. On en est à combien? On en a 8 et 11, c'est pas assez. On va peut-être faire un peu de bouffe. C'est un peu long, j'avoue. Allez, hop. Ça nous fait un peu plus de viande cuite. Est-ce qu'il y a des sangliers? Oui! Allez, il me faut du cuir, hein, c'est ça de toute façon. Il n'y a pas un troisième par là? Qu'est-ce que tu veux, toi? Ils sont passés où? C'est horrible. Regarde pas. Encore 7. Bon, il n'y en a pas d'autres là? Putain, ça on dirait les pierres qu'on peut ramasser dans Rust. Ok.
je fasse gaffe parce qu'il y a le troll par là. Oula, le lag. En fait, ça lag à chaque fois que ça sauvegarde. J'ai l'impression. Je fais super gaffe parce que je crois que là... Les champis, j'en ai vraiment besoin aussi, donc ça c'est très bien. Toujours plus loin. Alors oui, mais moi ce que j'aimerais, c'est vraiment des sangliers là. Plutôt que des petites biches. Il n'y en a pas. Sanglier. Il me faut 20 cuir là. Oh bah. Ah ok, d'accord, je viens de... Ouh, œil de nain gris. Cool. Bon, en attendant, j'ai toujours pas trouvé ce que je veux, moi. Moi, je voudrais pouvoir me faire des armes plus puissantes, qu'on puisse avancer un peu, parce que là, on sait pas qu'on se fait chier, mais... Presque. Oh, c'est quoi ça? Des graines de carottes. Trop bien. On va pouvoir faire un petit potager, hein. La paix, eux, maintenant. Et là, je suis dans la forêt noire, je pense que c'est ça, en fait. Ah. Qu'est-ce qu'il veut? Des trésors vous attendent. Des donjons mystérieux sont disséminés aux quatre coins du 10e monde. Ce sont des monuments du passé, souvent remplis de richesses issues de civilisations disparues depuis longtemps. N'oubliez pas d'emporter de quoi vous éclairer. Et on peut essayer, ça peut être pas mal. Un donjon. Chambre funéraire. Ok. Champignons jaunes.
Ok, donc nous avons le choix entre droite, tout droit et gauche. Je propose qu'on aille droite d'abord. Ah. Je peux faire une fonderie. Mais c'est trop bien. Alors là. Ok. Je propose qu'on aille à gauche d'abord. Par contre, c'est un peu flippant. Ah. Il y a des trucs derrière. Je vais mourir. Mourir. Alors, le problème, c'est que sans épée, c'est compliqué quand même. Sans épée, ça reste quand même assez complexe. Mais bon. Ce qu'il faudrait en vrai, c'est que je laisse de la bouffe cuite par là. Parce que ça m'éviterait... d'y aller le ventre vide, du coup. C'est bien qu'il y ait des petits donjons comme ça, je trouve ça cool. Ah mais il est mort l'autre? Tac. Oh! Précieux. Ambre, rubis, piastre, prendre tout. Oh. Par contre, si on fait les choses bien, on mange. En vrai. Ce qui serait hyper bien, ça serait de savoir se servir. Merde. Du pouvoir du boss, mais je sais toujours pas. Chelou. Je suis en train de me paumer, ça y est. Donc là, on arrive d'ici. Et là, on a encore une fois trois choix. Hé, t'es arrivé à 12 000, chat, trop bien. Trop cool.
Ok, c'était un cul-de-sac. Tac. Cool. Bon, bah écoute, je te rajouterai dans le... Dans le... Dans le tirage au sort. C'est trop cool. T'en penses quoi de ce jeu à regarder, du coup? Tes impressions? Ah non, mais attends, t'as bien fait. T'as carrément bien fait. Et du coup, Animal Crossing, tu kiffes? Merde. Ah oui, c'est très très addictif, effectivement. On va les faire comme ça, on va les finir comme ça, les trucs. Oui, non, effectivement, c'est la nuit. Et tout à fait, dans Animal Crossing, la nuit, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, juste pour te donner... une petite idée de ce que tu peux faire quand c'est la nuit. Chaque jour, sur ton île, tu vas avoir une bouteille sur une plage avec un plan dedans, du coup. Donc ça, c'est une fois par jour. Ah oui, ça passe très bien le temps, oui, effectivement. Donc une fois par jour, tu as une bouteille sur ta plage. Et une fois par jour, tu as aussi deux objets cachés dans les arbres. Donc, il faut que tu les secoues, mais il faut que tu fasses attention à avoir un filet sur toi quand tu secoues les arbres, parce qu'il y a des abeilles aussi. Il y a 5 abeilles, 5 nids d'abeilles et 2 objets dans les arbres tous les jours. Donc, il faut que tu secoues tous tes arbres. Voilà, des petits tips comme ça. Ah oui, tu t'es fait avoir, ouais. C'est chiant, hein. Ok, c'est bon, il dégage. Oh, j'ai cassé la porte. Eh, hey, mais c'est un vrai labyrinthe, là, par contre, ici. Et il n'y a pas de map, hein. Oui, ça va, le remède est facile à faire, effectivement, c'est vrai. Un coffre, ça? Super. Ok. Je sais pas à quoi ça va nous servir, les champignons jaunes, mais... Ok, donc là, j'ai fait la gauche, la droite. Maintenant, il me reste ici. Il est juste là, je le vois. C'est l'énergie qui... Ça marche. Bonne nuit, Charlotte. Ouais, non, pareil, je vais pas rester trop tard parce qu'il y a des trucs à faire demain, mais c'était cool en tout cas, et je suis contente que tu puisses entrer le tirage au sort, du coup. Merde, j'ai pété ma torche. Ah merde! Ah bah je suis morte. Bon bah comme ça. Comme ça, ça résout le problème. Et des bisous du coup, Charlotte, si t'es encore là.
Repose-toi bien. Je suis bête, pourquoi je prends un... J'ai pas besoin de prendre un bâton cassé, je peux pas le réparer. Attends. C'est des pierres. Ah non, c'est du charbon ça. Bon, bah let's go. On y retourne. J'ai pas de torche par contre, mais je pense que je peux en fabriquer une. Une fois que j'aurai récupéré mes affaires. Il faut juste que je me souvienne comment on fait pour y aller en fait. Oui, il fait froid, je sais, je sais, je sais. Ce serait pas du luxe de savoir comment on fait pour utiliser les pouvoirs? Parce que je pense que ça pourrait me servir un peu quand même. Hein. Je veux pas dire, mais. Hey, coucou, monsieur Tulle! Comment tu vas? Ça fait longtemps? Alors, par contre, là, il faut que je me repère dans le noir. À gauche. Ah ouais, mais non, 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 non. Putain, le bâtard. Non, laisse-moi tranquille. Non! Alors, par contre, là, je sais pas comment ça se passe. Si je garde deux tombes ou pas. Ça va, écoute, je découvre ce nouveau jeu. Et en fait, j'arrête pas de mourir. Et là, j'ai peur d'avoir perdu vraiment tout mon stuff. Et si c'est le cas, ça va pas trop me faire rire par contre. Non, les graphismes sont pas ouf, c'est assez pixelisé. Et mais c'est un early access en fait. Et il y a quand même des trucs à améliorer. Hein. Je t'avoue qu'il y a 2-3 trucs qui sont pas au top niveau gameplay. Mais bon, après, le principe est cool. À voir ce que ça donne en multi, parce que du coup là j'ai joué solo toute la soirée. C'est très sympa, après ça reste du jeu de survie, hein, donc voilà, il faut faire ce qu'il faut faire, mais c'est pas mal. Mais le problème c'est que là par contre c'est dur en fait. Je trouve que c'est assez difficile. Putain, elle est là ma tombe. Il est où le bâtard? Tiens, crève! J'ai pas d'énergie, putain. Ah, c'est bon. Est-ce que on peut se faire une torche? Ça serait bien. Histoire qu'on voit un minimum. À mon avis, il y a quelqu'un là-bas derrière. Il coûte genre 15 balles. Donc ça va, en vrai. Et il est sorti il y a 3 jours, je crois. Donc là, on est en early access. Du coup, bah, tu peux l'acheter sur Steam. Voilà. Alors, c'est solo et multi. Alors, en fait, tu crées ton perso. Et après, t'as le choix soit de jouer en local, comme moi je fais, donc en solo. Soit tu peux rejoindre des serveurs publics, en fait. Un peu comme Rust. Et en fait. Sauf que les serveurs publics sont limités à 10 joueurs. Donc ça veut dire que voilà, tu peux pas avoir plus de 10 joueurs d'un coup. Et là, d'après ce que j'ai compris, à 6-7 joueurs, ça devient un peu too much. Putain, mais... What? Ok, j'ai rien compris à ma life. Super. Voilà, donc du coup, on était en train de regarder avec Ikari pour regarder si on peut jouer en multi. Et je pense que c'était compliqué à setup, donc elle l'a peut-être pas fait, elle devait me tenir au courant. Mais je voulais au moins tester solo. Après, solo c'est cool, mais je trouve que c'est difficile en fait. Je trouve que c'est assez long d'améliorer ton stuff et de t'en sortir tout seul et. Mais en fait, gros, mais m'attaque pas, Tu t'es pris pour qui, là, le sanglier? T'as cru que... Tiens, crève. Ouais, c'est pour ça, c'est pas un vrai MMO, en fait. C'est un multijoueur, quoi. Si tu veux, tu peux. Après,
Je sais pas trop ce que ça donne en multi, mais ça doit être déjà un peu plus simple parce que là, clairement, je galère un peu. Voilà, bah là, tu vois, je viens de mourir, je sais pas combien de fois. Donc. Et je pense que tout a repop, en fait, c'est surtout ça le problème. Au bout d'un moment. En même temps, j'ai déjà fait ce côté. Donc on n'est pas obligé de se prendre la tête, hein. Va falloir que je fasse recuire de la viande. Putain, mais il y a des trucs. C'est trop chiant, genre, pour mettre dans un... Pour mettre des trucs dans un coffre, il faut faire un par un, quoi. Ok, en plus j'ai pété ma lance, donc ça va être moins drôle. Mais là j'arrive sur la fin de toute façon, je pense. Ouais, c'est ça, j'ai tout fait. Très bien. J'ai trouvé plein de trucs cool dont je ne connaissais même pas l'existence, donc je propose qu'on se barre en fait et qu'on retourne voir ce qu'on peut faire à la maison. En fait, il y a des petites quêtes, il y a des petits temples, il y a des petits trucs à faire, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire. Et un lore, c'est pas hyper présent. Et moi, j'ai fait la connerie de mettre ma maison juste à côté du spawn d'un boss. Et du coup, ça a été un peu la galère pour m'en sortir. Et là, j'ai... Enfin, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais tu vois, j'ai gagné un pouvoir en battant ce boss. Et je sais même pas comment l'utiliser. Je le vois, il est là. Mais j'ai pas de touche, je sais pas. Je sais pas comment faire. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé un peu plus d'explications de temps en temps. On va refaire une lance. Ouais, bah le premier boss quoi, parce qu'il y en a plusieurs. D'après ce que j'ai compris. Et ouais, en fait, regarde, il est juste là. Enfin, c'est son spawn là, les pierres. Donc du coup, et en fait, même dans ma maison, j'avais l'aggro, donc c'était trop chiant. Je suis morte au moins 10 fois. Alors attends, réfléchis. Et tu vois, je peux pas double-cliquer, je peux pas clic droit, je peux pas. Je suis obligée de faire ça, quoi. C'est lourd, en fait, de bouger les trucs comme ça. On va aller faire cuire de la viande. On va garder ça là pour l'instant. Champi, j'en ai besoin. Trophée. Ça, je sais pas ce que c'est. Les plumes. Ouais, c'est. Tu vois, il y a 2-3 trucs quand même qui mériteraient d'être un peu plus. Un peu plus poussé, tu vois. Sauf que là, j'ai combien de cuir? Du coup, j'en ai 12, il m'en faut 20. Et là, je peux rien faire de plus. C'est quoi? C'est la nuit, là? On dort. Mais tu vois, ce jeu, il est prometteur, je pense. Mais c'est pas complet, quoi. Je pense. Ouais, voilà. À voir avec le temps. Je pense que ça vaut le coup d'essayer, tu vois. Mais je sais même pas ce que c'est, ça. Précieux. Ok. Ça palpite de chaleur. Ok. Je vais peut-être pas me balader avec tout ça. Ah bah très bien.
Ça, on va garder. Je peux planter des carottes aussi. Endurance 20. Ah, mais ça, ça redonne de l'endurance. Mais c'est trop bien. Ouais, effectivement, c'est un peu painful, quoi. Ça marche, bonne nuit. Ah ouais, non, mais je vais pas rester très très longtemps là, je pense. Moi, je vais bientôt arrêter. Mais je repasserai demain, normalement. À plus tard, des bisous, bye bye. Qu'est-ce que je fais? Attends. Ah oui, j'ai dit que je faisais de la... Ah putain, comment j'ai fait? Oh merde! Attends. Ah bah ok, j'ai cliqué sur de la merde et je sais pas. J'ai pas compris la touche. Putain. Et sinon, en fait, dans les paramètres, dans les contrôles... Ah mais oui, mais en fait, je suis bête. Ah, c'est F. Ok. Bon, bah comme ça, je saurai pour la prochaine fois. On va faire à bouffer vite fait... Ah, la maison elle prend un peu quand même hein, dans le vide. C'est pas la folie. Hein. Ok, du coup... Très bien, donc ça, ça fait assez de bouffe. En vrai, ce qu'il nous faut, c'est, bah, c'est plus de... C'est encore des... C'est des sangliers, hein. De toute façon, là, on n'a pas le choix. On est à 12. Il nous en faut 20. Normalement, là, il y en a 3 qui traînent par là. Ils ont pas respawn. En vrai, eux, là, on dirait des murlocs de WoW. Un peu, je trouve. Là, il y en a un autre, là, de truc. Ah, tiens. Là, il y a des sangliers.
Hop. Il y a un peu des ruines de partout quand même. On va loin là. Hein. On s'éloigne quand même. Peut-être qu'on trouvera d'autres trucs. Faut que je fasse attention quand même. Si je meurs, ça va pas être du gâteau. C'est horrible. Ok, on va se rediriger vers la maison avec un peu de chance. Des champignons. Ah mais j'ai fait quoi? Merde! Je suis morte? Ah bah quel enfer! Je croyais qu'il va être temps d'aller se coucher. On va juste récupérer notre corps et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça sera pas mal. Par contre, on sait où? Ah ouais, mais on est chien loin là. Qu'est-ce qu'on a pour bouffer? Pas grand-chose. Vraiment, je te laisse de la viande. En plus, je peux pas courir beaucoup. C'est quand même un petit peu addictif comme jeu. Hein. Je vais pas vous le cacher. C'est quand même.
même si c'est quand même assez... Je trouve que le niveau est quand même hyper élevé pour un début de jeu, mais je pense que c'est surtout fait pour pas jouer tout seul. En fait. Putain. Shit. Hey. You okay? Yes. I keep dying, but I'm alright. I'm just finishing this. I want him to die and then I'm going back to my house and I'm stopping. Okay. You wait. Okay. Je pense qu'on va s'arrêter là, je vais récupérer mon corps en hors ligne et voilà, et on continuera, je sais pas trop quand, je vous tiendrai au courant, je pense que demain on fera plutôt du Zelda et ouais, plutôt du Zelda, on verra ce à quoi j'ai envie de jouer. En tout cas, merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi. Le live c'était super chouette, c'était cool de découvrir un nouveau jeu qui est plutôt sympa, qui a encore besoin d'amélioration et de boulot je pense, mais qui en soi est très cool. Du coup je vous laisse là, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à la prochaine fois, demain si vous êtes dans le coin en tout cas. Et voilà, des bisous et bye bye tout le monde.